Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle Dungeonée. Aujourd'hui sur le Dungeonée, on se retrouve pour jouer à Ratchet & Clank Rift Apart. Ce qui est sorti voilà pas très longtemps, il est sorti le 11, je pense. Ouais, voilà, il est sorti le 11 juin et j'ai pu y jouer. Donc, super bon jeu, hein. Et je voulais faire un live, mais finalement, c'est passé quelque chose qui m'a empêché de le faire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ben, c'est se faire un gameplay. Donc, voilà. On va jouer avec Agent Rebelle et commencer. Parce que si je fais une vidéo où ce que moi je suis rendu, vous allez être mêlés. Regardez, c'est moi. Rivette? Chut, faut y aller. Tenez, c'est pour rentrer chez vous. J'ai créé un modèle taille unique, alors ça devrait... Merci. C'est pas ça bizarre qu'on organise une fête en notre honneur? C'est vrai, on n'a rien fait d'héroïque depuis... des années. Et si les gens nous trouvaient ringards? Oh, peut-être qu'on est devenu ringards. Oh. Heureusement, on n'a rien à faire d'héroïque aujourd'hui. Hormis sourire et saluer le public. Oh. Ouais. J'aime bien entendre quand on grille. Nos premiers pas sur Ratchet & Clank. Bon. Attendez, déjà là tout de suite, je vais prendre. Je vais mettre une armure à Ratchet. J'ai le hacker que j'avais mis à Rivette. J'ai Rebelle là.
J'ai l'Andréide, j'ai l'Impérial, j'ai le Pillard, ouais. Je vais garder le Carbonex, quoi. Voilà. Regardez la beauté des graphiques de Rift Apart, quoi. Eh ben, dis donc, t'as vu un peu le monde qu'il y a? Même après toutes ces années, c'est toujours aussi électrisant. Ouais. On vous traque bien fort nos héros! Eh oui, les amis, c'est une journée mémorable qui vous attend. Programme, formidable voix, sans oublier l'incroyable cadeau surprise, une plante pour Ratchet. Oh non, toute la galaxie est au courant maintenant. Attends, un cadeau? Mais pourquoi? Oh, tu verras bien. Il nous attend au début du parcours de la parade. Alors, on ferait mieux de se mettre en route. On va commencer sur la planète Celtide, où le jeune Ratchet, un bricoleur frénétique, rêvait d'aventure. Quand soudain, une nuit comme les autres, le vaisseau de Clank tomba du ciel. Ratchet prend le tour au rebours du guerre bleu, et la vie de vous la fait. Quoi? Tout a commencé sur la planète Veldine. Quoi? Où le jeu Ratchet, un bricoleur frénétique, rêvait d'aventure. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Le vaisseau de Clank tomba du ciel. La foule est en délire. J'ai passé à travers de la plateforme comme ça. On peut dire qu'ils ont fait les choses. Ok. C'est plutôt. Donc, comme d'habitude, c'est un jeu, hein, on avance, on ramasse des boulons, on tue des ennemis, on achète des armes. Quelqu'un a mis nos têtes à prix. Mais arrête tout avec l'angle là, il est spécial. J'espère que ce n'est pas lié à ton cadeau. Vite, dépêchons-nous d'aller à l'avant de la parade. C'est l'œuvre des Blargs, des Kragmites. Ou... Oh, les docteurs Nefarius. Ah, impossible! Nefarius a pris sa retraite bien avant nous. Le moment est venu d'affronter la terrible planche de la mort.
vu, on va pouvoir planer. D'autres mercenaires. Et voilà. Je suis un peu rouillé, mais je m'en sors pas mal. Oh, c'est débarrassé d'un œil. Et maintenant, nous arrivons au présent de ce récit héroïque. Hatchet, le dernier Lombax connu, les autres étant perdus dans une autre dimension, s'apprête à recevoir un mystérieux cadeau de la part de Clan. J'avais préparé un discours, mais la parade étant manifestement compromise, j'irai droit au but. Ratchet, j'ignore ce que je serais devenu sans toi. Tu es mon meilleur ami, mon coéquipier, et tu as renoncé à beaucoup de choses pour... J'ai réparé le dimensionnateur pour que tu puisses explorer les dimensions et retrouver ta famille. Oh, écoute, je... Docteur Nefarius, Ratchet et Clank, quel le retour. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vu que mes mercenaires étaient censés vous annihiler il y a déjà 8 minutes. Oh, qu'est-ce que vous voulez, Nefarius? Ça. Plus personne n'a pris de mode d'emploi. Attendez bien les gens. Tantôt avec Ratchet, on voyageait d'une dimension à une autre, vous allez voir la puissance du SSD. Un changement de dimension, encore, encore et encore, avec la puissance du SSD, c'est vraiment fou. Pas de chargement, rien. Et sans tarder, j'ignore ce qu'il a en tête, mais attends, ou au pire. Thank you.
Voilà. J'aurais dû me douter que Nefarius tenterait quelque chose. T'en fais pas pour ça. C'est exactement comme au bon vieux temps. En route. J'ai l'impression que Nefarius a atterri du côté de la gare. Oh, Madame Zurkon, il nous faudrait une arme. Bon. Voici Madame Zurkon. Maintenant, c'est elle qui vend les armes. Contrairement au premier Hotshot où il y avait des vendeurs Gadgetron. On va prendre l'exécuteur quand même. Beaucoup de coups. D'autres mercenaires en approche. Et voilà. Là, je ramasse quelques boulons. Très important. Hop. Voilà. On ramasse les petits boulons. On retrouve le bon vieux Nefarius. Posez le dimensionnateur. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez voir ce que ça fait de perdre. Je vous préviens. C'est très énervant. Il faut juste que je calcule ces maudites coordonnées. Vous allez voir quand je vous dis que les SSD embarquent extrêmement sur le jeu. C'est fou. C'est pas tout de suite. Non, ouais, c'est pas tout de suite. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se pourrait qu'il y ait un léger problème. Le pont est fichu. Il y a forcément un autre moyen de passer. Les failles semblent réagir au quartz phasique de ton gant. Essaie de le braquer vers l'une d'elles. Là, maintenant, avec les failles, on peut... Hop là. Voilà. C'est ça que j'aime de cette Ratchet & Clank là. Avec les dimensions, c'est fou. Mais vous n'avez pas encore tout vu. Ah, et Star Ratchet, c'est éclair là, en plus, je pense que c'est le premier où on peut sprinter. Parce qu'avant, Ratchet est courant, mais maintenant, on peut vraiment sprinter qu'avant. Nouvelle fonctionnalité. C'est encore pire que ce que je pensais. Oh, ok. Voilà. Là, les requins des sables. Hop. Oh. C'est parti. On va ramasser ça. Et c'est là. Ok, on continue. Un crash
très grosse pieuvre. Ah ouais, c'est vrai, parce que ça, il y a des ennemis qui se font enlever. Là, on l'a pas vu parce que je suis allé vite, mais... Le vaisseau de Nefarious. Il faut qu'on trouve un moyen de monter. Les taxis au départ de cette plateforme passent à côté. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Donc, faut aller là-bas. Au fait, quand est-ce que tu as réparé le dimensionnateur? Sur mon temps libre. Et je sais que retrouver les Lombax a toujours été important pour toi. J'ai pensé que peut-être nous pourrions les chercher ensemble. Wow, ça me touche beaucoup. Mais je... que dirais-tu de récupérer le dimensionnateur, déjà? Hop là. Vous allez voir qu'après avoir battu Nefarious, c'est là que ça commence à... C'est là qu'on va voir la puissance du SSD. Merci encore de nous avoir sauvés, mais il va falloir nous verser une prime pour tout ce match. On va attendre un peu le taxi là. Il saute là. Moi, je ramasse des boulons. Et c'est parti. Les failles deviennent incontrôlables. Nefarious a complètement perdu le contrôle. C'est quoi ça? Wow. On va rien acheter pour l'instant. Pour l'instant, on va juste avancer. Juste pour essayer encore une fois de conquérir l'univers. Ouais, et il s'en sort un peu trop bien à mon goût. On va faire ça vite fait. Hop. Hop. Oh. On va continuer un peu avec le pixeliseur plutôt. Oui, si vous avez précommandé le jeu, vous avez encore le pixeliseur. Qui est la seule arme qui est restée du jeu d'avant. Bon, maintenant, allons mettre la main sur Nefarious. Qui est-ce qui m'a sévissé une bande d'incompétents pareils? Voilà tout ce qu'on récolte quand on accorde un congé de paternité à ce... Nous devons empêcher Nefarious de trop utiliser le dimensionnateur. Il faut affaiblir ses défenses. Ah, ce pot. Aïe. Tant mieux. Ces crapauds sont tellement répugnants. Prends ça, Nefarious. Oh non, il nous a en ligne de mire. Sont en train de faiblir. Oui, tu as raison de fuir. Les amis, d'où Nefarious peut-il bien les sortir? Pour l'instant, tout va bien. Combien de fois vous nous l'avez faite, celle-là? Le Fario, c'est pas très dur à battre pour l'instant, surtout au début.
Et c'est là que je vois la puissance du SSD. Regarde ça, on va changer. Hop, voilà. Les dimensions sont en train de s'effondrer. Pas de chargement. On passe à l'autre, tout de suite. Ça continue. Eh bien, je ne suis pas très optimiste. Super. Et encore. Où sommes-nous? Aucune idée. Ok. Allez, donc, nous avons bien de bras. À l'abordage. À l'abordage. Et voilà. Les SSD, on change de dimension un à l'autre, tout de suite, sans attendre de chargement. C'est automatique. Qu'est-ce que vous dites de ça? On est... Mais c'est quoi toutes ces lumières? Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure de votre défaite. Le dimensionnateur. Et voilà. La Terre. Le dimensionnateur vient d'exploser. Ratchet. Et Clank perd un bras aussi dans le jeu. Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je t'emmène en balade. Attendez, je dois retrouver mon ami. Non, on ne joue pas avec Rivet tout de suite. Où suis-je? Mais... C'est moi? C'est moi! J'ai réussi! C'est moi qui gagne! Encore les Farius. Vous rentrez plus tôt que prévu de votre conquête. Oui! Oh, peur! Voilà. On se testera pas tout de suite, hein? Ben non. Quand même. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la dimension de Nefarious. Parce que là, c'est quand même... Parce qu'on est dans la dimension de Nefarious. Peut-être que quelqu'un l'a averti. Et à partir de là, le vrai jeu commence. Regardez. En bas à droite, on a l'info-robot. On a 3 boulons d'or à trouver. Et une pièce d'armure à trouver. Et on est sur Nefarious City. Donc, les boulons d'or, pour ceux qui connaissent tout le clan, les boulons d'or, franchement, je les ai pas trouvés durs à trouver comparé aux anciens Ratchet & Clank. Vous avez pas vu un petit robot gris par hasard? Les yeux verts, une antenne rouge, parfaitement charmant. Oh, pas de chance, tous les robots charmants que je connais ont les yeux bleus. Parce que franchement, les boulons d'or, habituellement, dans Ratchet & Clank, j'explique pour ceux qui connaissent pas.
Les boulons d'or, c'est des boulons qui sont quand même cachés et qui sont un petit peu difficiles à trouver. Ben dans ce jeu-là, je les ai trouvés faciles. Bon, c'est vrai que je suis quand même pas rendu si loin que ça. J'ai quand même un bon bout du jeu de fête, mais j'en suis pas encore à la fin. Mais les boulons d'or, j'ai trop facile à trouver. Après, c'est peut-être moi qui dit des conneries, mais j'ai trouvé trop facile à trouver, quoi. Parce que sur le Ratchet & Clank 2016, c'est quand même un challenge, parce qu'il faut les chercher, ils sont quand même durs à trouver. Puis dans celui-là, bah, autant tu te promènes, t'en tombes sur un, tu le ramasses, t'sais. J'espère qu'il y a une bonne nouvelle derrière cette porte. Celui-là, en fait, ce qui est dur à trouver, en fait, c'est les infos robots. Puis c'est les infos robots qui sont plus durs à trouver. Les boulons d'or, puis les pièces d'armure, ça se trouve facile, mais les boulons d'or, autant tu cherches, autant tu les trouves pas. Donc après c'est sûr que si vous faites le jeu, hop, je vois là. Les boulons d'or vous les trouvez pas là, mais par là ça va, on pourra pas y aller. On n'a pas ce qu'il faut pour y aller. Ok, c'est bon. On va aller par là pour commencer. Non, ça sert à rien, y a rien à faire là. Pour l'instant, on peut planer. Parce qu'on a les bouts de poule. Là, on va pas y aller tout de suite. Et voilà. Il faut que je suive ce vaisseau. Comment je peux quitter la planète? C'est une question piège. Seules les navettes royales sont autorisées à partir. Les autres vaisseaux... Oh! Mais le fantôme peut t'aider. Laisse-toi guider par la musique jusqu'au Club Nefarious et tu le trouveras. Club Nefarious, compris. Oh, et joli travail, agent secret Zurkon. Oh, 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 oh! C'est tellement excitant. Donc, il faut aller au Club Nefarious, mais on n'ira pas tout de suite. Pourquoi? Vous allez voir. Premièrement, on va commencer par ramasser ce qu'il faut, c'est-à-dire quelques boulons. Et quelques ravitanium aussi, parce qu'il y a du ravitanium à ramasser. Boulot de rêve. Encore un
chercher. Plus vite je trouverai le club Nefarious et ce fantôme, plus vite je rejoindrai Clank. Bon, le fantôme, ça on va le faire aussi. Mais on va commencer par aller chercher l'info robot. Bon, là, on peut pas y aller. Donc, ça, c'est le club Nefarious. Non, ça, c'est pour fouiller l'usine, en fait. Ok. Voyons. C'est pas ici. Bon, ça va, les gens, je suis un peu perdu. Ok. J'arrive, Clank. D'abord, il faut juste que je trouve ce fameux fantôme. Ok, c'est par ici. Donc on va aller chercher le robot espion comme ils disent. En fait c'est un genre d'info robot. Chercher le robot espion, et ensuite on va aller voir l'espion. Je dois vite trouver la plateforme de chargement. Donc, par là-bas. On va monter là. Pour l'instant, il n'y a rien à ramasser. On débarque là. Voilà. En effet. La plateforme de chargement doit pas être loin. Donc là, il saute là. Et ça, habituellement, faut passer par là, mais c'est pas obligé. Ok. La plateforme de chargement doit pas être loin. 23 heures travaillées. La production a augmenté de 200%. Voyons. Parce que là, c'est alarme juste comme ça. Voilà. Si vous n'êtes pas capable, vous attendez d'avoir la chose pour pouvoir aller là-dessus. Parce que c'est un item que vous allez récupérer plus tard. Ok, pardon.
Voilà. On arrive proche du robot espion. Du ravitanium. Ah! Oh, cette bande de robots! Oh, je les ai dit, ces robots-là, ça n'a pas de sens. On va se les faire. Le pixeliseur, je pense. Aucun non, c'est un problème, je m'aurais pas. Donc là, on continue. De j'aurais dû le voir venir. Donc là ça c'est fini. Et voilà, on a le robot espion. On va ramasser les boulons par contre que j'aurais pas ramassé. Bon, je pense que c'est bon. Et on ramasse ceci. Et pour finir, on va aller chercher le fantôme et ensuite on va s'arrêter là. Là, je crois que je le tiens mon club. Ah oui, ça va aller par là, mais avant je vais aller par là parce qu'il y a quelque chose à aller chercher. Ici là, quand vous trouvez des choses comme ça, c'est des portails qui mènent vers d'autres dimensions. Et quand vous arrivez au bout, ça vous donne des morceaux d'armure. Voilà. Oh, on va essayer de faire attention, il m'a supprimé 2 points de vie. Il faut que j'essaie de trouver des nanotechs. En effet. Et là, on a une pièce d'armure. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à faire là.
Donc, les pièces d'armure, il y en a plusieurs, hein. Comme là, on a trouvé la casse de robot. Donc, il va nous manquer à trouver le torse et les jambes. Et il y a d'autres armures qui vont venir par plus tard, hein. L'armure du désert, l'armure de Ranger. Libre à vous si vous voulez les chercher ou pas. Maintenant, ça va au club Nefarius. J'aurais aimé vous montrer les boulons d'or, malheureusement, on n'en verra pas dans cette émission-là. Donc, il y en a 3 sur cette planète-là, donc à vous de chercher. Eh oui, le fantôme, c'est Skid. Mais est-ce que le fantôme, c'est vraiment Skid ou le double de Skid? Parce qu'on est dans une réalité alternative. Donc, si vous voulez le voir, ça va être à vous d'acheter le jeu et de regarder. Sur ça, merci d'avoir regardé tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Abonnez-vous à Étienne et JD aussi. Sur ça, merci d'avoir regardé tout le monde. Peace!